Accroche à ton arbre. Non, je le tiens, j'ai peur qu'il tombe et qu'il se casse, qu'il y ait une tête qui se casse. Je voudrais pas avant qu'on les installe quand même. Vous êtes prêts ? On va pas faire les mains blocs. Hein. Ouais, je tiens, je retiens. Allez-y. Stop ! Stop ! Arrête là. Parfait. Pardon. C'est l'axe. Il y a Jill. Jill Mouna et Gwen. Avec son petit parapluie. Ça fait vraiment scène à l'ancienne. Non, il y a une scène d'antan. C'est vrai. Avec les ombrelles. Moi j'ai eu la vibration tout à l'heure dans la main. Ouais. Donc là on est en train d'installer les taupières. Ah ouais, c'est qui proviennent de chez Jean-Marie Bécard, une pépinière à Saint-Jean-Scapelle, dans le Nord, pas très loin d'ici. Et là, c'est trois gros. C'est des ifs, et ils sont assez balèzes. Hein. Donc, c'est toute une histoire pour les planter. Et on a dû creuser des très gros trous, et donc voilà, on continue. Là, on installe le deuxième à l'angle. Donc c'est à 7 étages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 étages. Mets ton bras en l'air, Gwen, pour voir la taille un peu de la taupière. On avait dit 1m80. 1m80, t'arrives à monter dessus? 2m40. Ah, 2m40. Là, je serai obligé d'envoyer la poncée. Il y avait un arbre qui est tombé, là. Ouais, qu'on a fait tomber. Tu te rappelles qu'il y avait un bousier, la clôture. La poisson. En plus, elle a dû bouffer tout le sol. Elle est morte. L'énergie. Elle est morte. Elle est morte. J'ai été obligé de piquer un trou pour remettre à niveau. On continue la restauration du jardin évidemment et l'embellissement du jardin avec des taupières comme à l'époque. Hein. On le voit bien dans le tableau d'ailleurs que tu as fait, Anne-Laure, dans le tableau de Sandérus. Tu as redessiné toi les taupières qui étaient au coin du potager. Là, on est dans la partie parcelle potagère. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des taupières aux angles. Alors nous, on décide de ne pas les mettre aux angles. Là, on n'essaye pas de refaire à l'identique. Mais on essaye d'apporter quelques éléments qui auraient pu être là aussi à l'époque de la Renaissance. Monsieur, qu'est-ce qui définit une taupière? C'est la taille, le fait de tailler. En toute forme, tout ce que vous voulez. Et ça peut être n'importe quel type d'arbre ? En général, tout ce qui pousse pas trop vite. Quel est le nom des différentes formes ? Alors là, ça c'est plutôt géométrique. Après, il y a les tailles en nuages, mais ça c'est pas trop chez nous. Hein. Moi j'aime bien le moutonnement. Moutonnement ? Ça marche un peu chez nous. Ouais. Ça ressemble à quoi le moutonnement ? Là-bas, regarde. En vague. Ah oui, plus ou moins petite taille. Montre-moi Gwen. Et souvent c'est ce qu'on fait pour sauver des buis qui ont été un peu laissés à pousser comme ils pouvaient. Donc c'est pour rattraper et donner une forme. Donc ça raconte un peu l'histoire. Ça raconte toute la période pendant laquelle ça n'a pas été taillé. C'était à l'ombre du parc. On a de la chance d'avoir encore ça et qu'il y a un peu d'allure. Là, on va créer une nouvelle scène. Ouais, celui-là, c'est un souvenir de la première fête des plantes quand Monsieur Bécard il était venu. Il est revenu les tailler, leur donner une petite forme un peu plus dynamique. Ça, c'est le niveau 1 de la taupière. Hein. On était déjà contents. C'était il y a combien de temps? Je pense que c'était 2018 ou 2019. 1, 2, 3.
Encore un coup. Un, deux. Deux. Pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, c'est bien mis. Alors là, regarde, elle est dans la tour. Ouais. C'est bon ? Allez, là, c'est bien prise. Il penche un tout petit peu par là, mais je le redresse, regarde. Après, un tout petit peu, ouais. Pas grand chose. Ouais, c'est pas méchant, mais. C'est quoi le dilemme là? Là il y a un grand espace, c'est trop loin. De savoir où placer cette pierre. Et comme c'est un peu lourd à bouger, donc je faisais la pyramide à côté. Ça pèse combien? Ça pèse 200 kilos. Tu valides ? Non, mais il faut bien le faire quand même. Quand on est dans la pépinière de Jean-Marie, la première fois que j'y suis allé, j'ai eu l'impression d'être en Italie, c'était incroyable. Non, c'est bon. Très bien. Il manque un. Il en manque un. Ouais, presque. Comment ? Non, mais c'est bien, ça fait plaisir à la place pour la suite. Exactement. La saison au château d'Esquelbecq démarre le 13 et 14 mai 2023 avec un événement sur les taupières. Donc journée mondiale de la taupière, 13 et 14 mai. Donc venez nombreux nous voir et on vous racontera tout sur les taupières. Et Jean-Marie, notre pépiniériste, fera des démonstrations de taille. Donc venez et suivez-nous sur donc, cette chaîne YouTube pour suivre un peu les aventures du château d'Esquelbecq. À bientôt. Donc je ramène deux arrosoirs en pioche et puis c'est bon. Action.